Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment resserrer votre vagin avec de l'aloe vera et aussi si vous avez une infection vaginale, comment la soigner et aussi si votre balasse sent un peu dégueulasse, comment la soigner aussi. Et excusez-moi pour les thèmes. Et c'est tout de suite sur Fallon Castile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner, like et partager la vidéo. Merci. Ça commence les filles, ça commence. Voilà, et regardez bien si vous avez déjà abonné à la page et like la vidéo et commentez aussi. Je vais vous raconter juste une petite histoire avant de commencer. Moi, et je me rappelle que quand j'avais 15 ans, j'avais une infection vaginale et c'était vraiment un peu dégueulasse, un peu très dur, j'ai beaucoup souffert. Et maintenant, je peux dire, il y a un an de cela, j'ai rien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un... comment faire pour essayer votre vagin avec de l'aloe vera et aussi comment soigner une infection vaginale avec le même l'aloe vera. Ça commence les filles. Prends l'aloe vera, enlève la peau verte dessus. Après, prends le gel, mets le gel dans un récipient, rincez-le un petit peu et coupez l'aloe vera en petits morceaux. Et après, mets-le dans le réfrigérateur. Après, le soir avant d'aller dormir, prends un petit bout et mets dans le truc là en bas. Fais ça pendant 3 fois et vous allez me donner les résultats. Et c'est ça, c'est simple comme moi. Et en termes de sécurité, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas agresser la flore vaginale. Voilà. C'est juste un truc naturel, il faut juste mettre ça dans le vagin comme un truc d'eau vile et ça ne va rien faire. Voilà. Ça va juste débarrasser les mauvaises odeurs et serrer votre vagin et aussi éliminer l'infection vaginale. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de la partager avec un ami, c'est vraiment efficace. Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est parce que j'ai déjà essayé ça et ça marche. Voilà. C'est pas un truc que j'ai envie de parler, j'ai dit ok, je vais parler de ça. C'est parce que j'ai déjà essayé ça. Comme j'avais dit au début de la vidéo, j'avais eu une infection vaginale. C'était très dur. Et après, comme c'était un peu dilaté, j'aurais dû essayer ça pour essayer le truc, tout ça.